Donc, je crois que vous me posez deux questions à la fois, parler du Sphinx et parler du président Félix Tshisekedi. D'abord, j'ai des larmes aux yeux, avec un cœur saignant, quand je me rappelle l'encadrement de notre leader, qui était un parent, un ami pour moi personnellement, parce que je sais de quelle manière j'ai traité avec lui. Voici bientôt 6 ans que mourait le président de notre parti, notre leader, notre encadreur, notre formateur. Je cite Étienne Tshisekedi wa Mulumba. La phrase d'Étienne Tshisekedi, du peuple d'abord, c'est pour dire que dès que l'UDPS prend le pouvoir, notre objectif, la cible principale, c'est le peuple pour lequel notre combat était focalisé. Et nous nous sommes battus 37 ans justement pour défendre la cause et l'intérêt suprême de ce peuple là-bas, qui est le peuple congolais en général. Donc c'est ça le mobile de votre question que vous cherchez. Donc notre combat, et même aujourd'hui que le président Félix est au pouvoir, si vous le remarquez bien, nous avons commencé par la gratuité de l'enseignement, la liberté d'expression, liberté d'opinion. Ce qui met aujourd'hui l'opposition en difficulté, l'opposition entre guillemets, parce qu'il n'existe plus au Congo. Souvenez-vous que Étienne Tshisekedi disait que quand l'IDPS accédera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Et vous le constatez vous-même, comme moi, qui a plus l'opposition en République démocratique du Congo. Parce que si vous allez dans les amigos de la police, vous ne trouverez aucun militant d'un parti politique arrêté. Il y a bientôt 4 ans. Si vous allez à l'ANR, vous n'en trouverez pas non plus. Donc, à l'époque, c'est nous qui avions gonflé ces cachots-là, et l'ANR, et la prison, et les amigos. Mais aujourd'hui, c'est ça le peuple d'abord. Donc, on se bat pour protéger cette population là-bas. La construction des infrastructures, vous les avez remarqué que c'est pratiquement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que le président de la République a démarré la construction des routes, des ponts, des écoles, tout. Et c'est fait pendant 4 ans. Donc vous avez vu, les peuples d'abord, les Koulouna qu'on a tués hier, on les a massacrés à Gogo. Ici, vous êtes témoins. Ces Koulouna ont été arrêtés, envoyés en formation et resocialiser. Aujourd'hui, ils deviennent utiles dans la société. Ils construisent, ils bâtissent et ils forment aussi. Donc, c'est ce qui ne pouvait pas se faire dans ce pays. Donc, voilà, et en prose, ce que je peux dire par rapport à cette appellation de peuple d'abord. La phrase « Prenez-vous en charge » n'a pas commencé avant la mort du président Tshisekedi. Cette parole est né depuis plusieurs années par le chef de président Tshisekedi lors de notre combat avec Mobutu, Kabila Mouzé et les fils. Donc demandant à la population de s'assumer, de se prendre en charge et braver la dictature. Nous l'avons fait. Par rapport à l'aspect de la guerre qui est à l'est du pays, cette guerre, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas la capacité de combattre le Congo démocratique, notre pays. Le Rwanda, c'est une province dans la République démocratique du Congo. Comment une province peut avoir la capacité de combattre tout un État à dimension continentale comme le Congo démocratique? Ici, nous sommes devant une guerre internationale. C'est la communauté internationale qui est en train de combattre la République démocratique du Congo. Et cette communauté internationale nous combat par le fait qu'ils cherchent à voler nos minéraux. Au lieu de les chercher en bonne et due forme, ils volent nos minéraux. Si vous avez suivi, hier, à son arrivée, le pape a dénoncé, il a appelé à la communauté internationale d'enlever sa main en République démocratique du Congo et en Afrique subsaharienne, l'Afrique d'une manière générale. Donc cette guerre qui est à l'Est, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas le Rwanda là, c'est tout simplement, il a proféré de porter la croix. Parce que je m'étonne que
que vous voyez un pays comme le Rwanda, à une période, on a crié sur le Rwanda, les plébiscitants, que le Rwanda était devenu le premier producteur de coltan. Et les coltans qui n'existent pas au Rwanda. Et ces coltans sont les coltans congolais. Alors, par rapport à cette exploitation des minéraux de la République d'une manière illicite, par le truchement des groupes armés, soutenus par la communauté internationale, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui que le Rwanda combat la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a pas la capacité de combattre. Ici, nous sommes devant un front, un Congo contre toute la nation, tout le monde entier. Vous avez remarqué que même les Africains qui sont venus justement pour soutenir la République démocratique du Congo, ils se sont déshabillés devant la face du monde. On a compris que tout le monde est contre la République démocratique du Congo. Et c'est là qu'ils puissent nous envoyer à nous prendre en charge pour que nous puissions nous affronter contre tous ces criminels, toute cette bande de malfaiteurs, est communément appelée communauté internationale d'une manière nébuleuse. Donc nous ne pouvons pas croiser les bras. Vous avez suivi que le président de la République l'a dit, même un iota, même un millimètre de notre pays ne sera pas cédé. Et nous allons nous battre au plus du sang pour que nous puissions reconquérir les restes des partis qui sont dans les mains de ces malfaiteurs-là. Donc ici, c'est le moment de saluer le bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front, qui se battent nuit et jour pour la libération de notre pays. Et nous devons être nous tous derrière cette armée, parce que même Mao Tse-Tung le disait, que l'armée la plus puissante, c'est l'armée nationale. Les étrangers qui viennent, ils ne viennent que pour contempler. Ils n'ont pas les secrets internes de notre pays, si ce n'est le FARDC et nos services de sécurité qui peuvent faire ce travail. Et vous devez jouer le rôle des communicateurs, de collaborateurs de cette armée pour leur donner les informations à temps utile, parce que le pays est infiltré. C'est le travail que Kabila jouait pendant 18 ans pour infiltrer l'armée, infiltrer tous nos services avec les Rwandais et ses frères et les Burundais. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation complexe qui nous prendra bien entendu des jours, mais on arrivera à une victoire finale.